Et bien le bonjour, c'est Vulra qu'on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre pro cycliste. Donc comme vous le voyez, nous avons un pic de forme depuis 3 jours et il durera entre 21 et 25 jours, c'est-à-dire à peu près tout le mois de juin. Au niveau des courses pour cette vidéo, nous allons faire le Grand Prix Van Koningsglu que voici. Donc c'est de la plaine un petit peu accidentée. Et nous allons également faire le tour des Pays de Savoie avec 2 étapes de montagne et 3 étapes de vallon. Ça risque d'être costaud parce que je pense qu'il y aura quand même du beau monde. Voilà, donc nous aurons notre pic de forme pour les championnats de France, ce qui est génial. Et pour ce petit tour là, à Sibué, peut-être la fin du pic de forme à voir avec les 2 arrivées en montagne, ça serait sympa. En tout cas, pour ces 2 vidéos, nous serons en Belgique et en France donc pour ces 2 courses. Et ben voilà, nous y sommes, terminés dans le top 30, c'est l'objectif de notre directeur sportif. On a un beau plus 5, c'est dommage, hein, ça serait bien d'avoir un plus 5 autour des Pays de Savoie. En tout cas, ça peut être intéressant d'hausser le rythme dans ces dernières bosses là, avant peut-être de donner une accélération sur le final, là, avec la dernière bosse peut-être. Avec un plus 5, ça nous fait 68, 70 en sprint. Ce qui est vraiment bien. Et puis on est à 81 résistance. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant cette course. Regardez-moi ce paysage. Au milieu des colzas, un petit moulin sur la gauche. C'est magnifique. On traverse également quelques champs de coquelicots. C'est vraiment intéressant comme paysage en tout cas. Nous sommes sur un petit circuit. On arrive bientôt sur le dernier tour. Et tout va bientôt se jouer. Et nous voilà à 5 km de l'arrivée. Nous avons Tisa Lachey qui nous a rejoint. On va attaquer dans cette petite bosse, comme je vous l'ai dit, en espérant que ça fasse la différence. Allez, on est parti à 2. Lui va ne pas prendre de relais. On est 3. Allez. Va bien falloir partir au bon moment. On est 4. Je vais accélérer le rythme et puis je vais sprinter dès que possible. Dans mon avis, je vais faire 4. Et oui, voilà, je vais faire 4. Personne n'a voulu prendre l'initiative. On devait faire top 30, on fait quatrième. On s'en débrouille pas trop mal hein, parce que Kreider, on l'avait vu en début de saison, est quand même un sprinter. Donc je suis satisfait hein, de cette étape. Voilà, Kreider remporte ce Grand Prix. Je pense que si je m'étais laissé faire. Enfin, si j'avais pris la roue de quelqu'un, personne n'aurait roulé, on se serait fait rattraper par les autres. Donc je préfère faire quatrième sur quatre plutôt qu'être dans le paquet. Voilà. Donc, on a passé d'un niveau parce qu'on est passé début juin, hein, 50 points habituels. On a pris 51 points sur cette course. Bon, on devait se montrer en échappée. Moi, j'ai juste vu qu'on devait terminer top 30. Donc, j'ai pas vu qu'on devait se montrer en échappée. Les 4 km d'échappée, les 4 derniers kilomètres. Bon, on a pris 51 points, on passe au niveau 8. Au début de mois, j'ai donné mon point à la Team Novo encore. Et puis là, on va devoir choisir donc un point de compétence. On peut améliorer une caractéristique ou un potentiel. Au prochain niveau, on améliore juste un point de compétence, on n'améliore pas le point de caractéristique. Je vous l'ai dit, c'est tous les 2 niveaux, donc tous les niveaux pairs. Et on aura accès aux courses de catégorie, donc World Tour A, B, et ainsi de suite. Ça va être vraiment sympa. Alors, allez, vous savez quoi? Classique du Nord, on va choisir Classique du Nord. On passe à 75 pavés et ça va être vraiment intéressant du fait qu'on a 74 plaines et vallons. Il y a moyen qu'on fasse des belles choses avec notre profil de coureur sur les courses avec des pavés. Au niveau des compétences, on va augmenter quoi? On va augmenter l'entraînement pour au-delà de 80% de préparation parce que c'est très important d'être un peu plus régulier dans nos performances. Et comme on est beaucoup au-dessus de 80% en général d'entraînement, et ben ça sera vraiment utile. Nous voici à Saint-Michel-de-Maurienne. J'ai habité pas très loin, donc je connais bien ces routes-là. Et les favoris ont 74, 73 de montagne. Nous, avec notre plus 2, on a 65. Donc on pourrait réaliser de belles petites places. Je pense pas qu'on puisse gagner hein, ce tour... Ce tour des Pays de Savoie, et c'est pas nos objectifs en tout cas, faut qu'on essaye de marquer des points au sprint intermédiaire.
pas avoir de coéquipier. Valdo Sarr, hein. Intéressant. On va partir tout seul. Ça a l'air de nous laisser. Pour le moment, on va aller chercher le sprint. Voilà, on a fait le sprint intermédiaire. On va se relever tranquillement. Nous sommes à 1,5 km du sommet. Ça ne roule pas tellement fort, donc je vais me placer à l'avant du peloton. Je vais essayer d'aller récupérer sans trop me fatiguer ces points du GPM, donc 6 points. Je ne sais pas si ça fera la différence, mais en tout cas, ça peut donner des idées pour la suite de ce tour des Pays de Savoie. Peut-être que ça va les jouer, à moins que ça me laisse. Non, le tempo est quand même assez élevé. Voilà, on est en tête, et puis faudra aller chercher ce sprint intermédiaire également. Ah, ça dispute le sprint, je le dispute aussi. Voilà, allez, ça c'est fait. Et nous sommes au pied du col du Télégraphe. Nous n'avons plus que deux équipiers, dont un qui va bientôt lâcher. Et un autre qui est loin quand même. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais être esselé une bonne partie du temps. Il reste 10 km de côte. Je suis vraiment pas sûr d'arriver au bout. Voilà, comme je vous disais, on a 1,8 km de retard sur la tête de course. Et nous sommes là avec différents coureurs, Petrucci, Bart, et que même avec un plus 1, c'est compliqué hein, d'aller chercher quoi que ce soit. Je suis même pas sûr qu'on puisse les rattraper d'ici la descente, ceux-là. On a donné ce qu'on a pu. Voilà, donc le premier est arrivé. On attend les retards. Monsalves, Chel, Figueroa, Stedman, Fernandez, Benta, hein, Joao Benta, vous connaissez. Sauf que nous, c'est pas notre niveau hein, dans la montagne. Pichon, 16e, Anthony Delaplace, 18e. On va sprinter pour là, mais bon, c'est un peu plus frais que nous. Et nous ferons donc une 37e place. Je n'ai pas d'équipier, ils sont encore à plus de 5 minutes derrière. Ça va être compliqué, hein, la montagne pour nous. Donc voilà, Gonçalves qui fait coup double, la victoire et le maillot, 42 secondes d'avance hein, quand même sur les suivants avec 1 minute, 2 minutes. Finalement, on n'est pas si mal, hein. On a combien ? 5,28. Bon, on a un petit 63 de base en montagne. Gonçalves, on ne voit pas trop, mais... il grimpe mieux que nous quand on voit que le deuxième a 73 montagnes. 73 les autres montagnes. C'est compliqué hein, avec un 63. Hein. On n'a même pas le maillot vert parce que oui, c'est même pas une arrivée en altitude. Donc rien du tout. Allez, c'est parti pour la deuxième étape. On va essayer de marquer des points intermédiaires. On a un beau plus 4. Nous sommes en vallon, ce qui nous fait un 79 vallon. C'est vraiment intéressant. Je pense que partir en échappée, ça peut être une très bonne solution si on reste à l'économie et finir pas très loin hein, derrière avec une arrivée en altitude. Allez, on est un petit peu dans les vignes. Nous sommes à Chambéry et nous allons à Passy. Ça s'agite à l'avant. 80, ça relaye avec moi derrière, ça va revenir normalement. Allez, moi, je suis avec un équipier, du coup, je vais le faire rouler. Moi, je ne vais pas me cramer, je vous le dis tout de suite, c'est mon équipier qui va rouler pour moi. Allez, on arrive au sprint intermédiaire. Moi, il faut que j'aille le jouer. Voilà, ça c'est fait. Mon équipier, je crois qu'il passe 3e. Il me protège. C'est tout ce qu'on veut. Maintenant, on va commencer la côte. On a toute notre barre. Nous sommes 11. Ça peut être une échappée intéressante. En tout cas, on a 2 minutes 30 d'avance. Allez, 1,5 km, ça attaque. Ça monte fort hein, depuis le début. Je suis en effort curseur 90 pour tenir la roue. J'arrive pas à voir où ils sont.
Allez, 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 allez. C'est bon, je passe en tête. Quand c'est Attention, il vallonné, attaque dans j'arrive 10. à sortir un petit peu du lot. Par contre, quand Sergi, 100 à 5, ah oui, il a complètement décroché. Par contre, quand c'est en montagne, là, c'est un peu plus compliqué pour moi. Certaines équipes Allez, comptent sur ces 1,8 km fichiers du de KPI sommet. Tour. Pareil, c'est en deuxième catégorie. On n'est plus que 3, derrière ça suit pas. Je ne sais pas si là ça va suivre. Non, ça lâche. Je vais ralentir un peu le rythme. Il faut que je bascule avec eux quand même. Voilà, je bascule avec eux. Là, ça devrait le faire. Faut vraiment pas que je parte tout seul. Allez. On bascule à 3 derrière, peut-être que ça va revenir. On prend le maillot à poids virtuel. Ça serait bien qu'on passe en tête encore du prochain catégorie 2, mais le peloton, je ne sais pas s'il va pas revenir. Il n'est plus qu'à 1 minute 10 de nous. 2,5 km, on a la pression du peloton derrière. Moi, ce que je veux là, c'est le sprint intermédiaire. Histoire d'aller chercher les points. Je sais pas si ça va me disputer, j'ai quand même le jouet. Ah non, 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 sprint. Voilà. On est revenu à un point donc du sprint intermédiaire. On a 1 minute d'avance. Je vais prendre un bidon. Il y a une descente. Je ne suis pas sûr qu'on arrive encore en échappée en haut du prochain col. Mais bon, on va tout faire pour. Allez, un peu moins de 2 km. Je suis le dernier survivant de l'échappée. Ils se sont tous fait rejoindre. On voit que ça roule, hein. Moi, j'ai envie de passer en tête. Je reprends un peu de temps au peloton. 30 secondes. Sommet à 1 km. Ça va être compliqué, hein. 40 secondes. Le peloton a l'air de me laisser filer. Eh bien, je vais tenter ma chance jusqu'au bout. Parce que je vais continuer mon effort. C'est de la Ça se descente. Je crispe vais là, essayer de le peloton, récupérer. on ne compte plus. Il reste 7 km. J'ai que 40 secondes, même pas d'avance. Ça va être vraiment compliqué. Ça monte très fort. Je vais me faire doubler et je risque même de me faire dépasser par le peloton. Je vais rester en relais 74 jusqu'au sommet. Je vais Cette prendre un course gel. présente de Et puis, bah redoutables écoutez, pourcentages. on aura fait un beau baroud d'honneur. Et le peloton bah, va nous rattraper là. Ça va risque même d'attaquer. Voilà, ça attaque. Attention, il Nous, attaque à l'arrivée. bah, ça va être Ça peut aller au compliqué. bout. Il Encore reste 4 km. 5 km à courir. On ne pourra vraiment pas suivre. Le maillot à poids qui lâche. Il a fait un beau bloc hein, et il donne du coup un beau matelas au maillot jaune. Allez, 3 km. Moi, je peux vraiment pas plus. Hein. J'ai fait mon échappée, j'ai eu les 3 cols en tête, les 2 sprints en tête aussi. Mais là, ça devient vraiment trop dur hein, pour moi. Allez, 2 km et demi. Avec mon 63 montagne, j'ai un 68. Hein. Mais bon, c'est encore trop peu pour pouvoir prétendre suivre les premiers hein, dans ces montagnes. Avec qui? Petrucci. Le Danois, le bon, Benta de la place. Et ils payent un petit peu leurs efforts de la veille aussi. Hein. Du coup, on va finir, on va essayer de ne pas finir en fringale. Comme ça, notre forme ne sera pas vraiment atteinte pour les 2 prochaines étapes. Allez, 200 mètres pour les premiers. Nous, il nous reste un Victoire sur la kilomètre. ligne, tout en puissance. On attend les retardataires qui n'en finissent pas d'arriver. On a géré la montée, hein, Gonsalves qui conforte sa place de leader et de favori pour gagner ces tours de Pays de Savoie. Alors on va sprinter, mais bon, on va se faire un petit peu distancer par ces trois-là. On va finir en même temps. À une petite 30e place, je pense. 26e. C'est vraiment pas mal avec tout ce qu'on a fait tout de même. Ainsi, nous terminons à 3 minutes 21 du vainqueur. Gonsalves est leader, hein, toujours, avec 2 minutes d'avance. Nous sommes 23e au classement général à 8,57. Nous sommes 4e au maillot vert. Gonsalves, je pense qu'il va l'emporter. Nous avons le maillot de meilleur grimpeur devant Gonsalves. Je pense que ça va devenir un de nos objectifs hein, sur les 3 dernières étapes.
parce que le reste, a priori, on ne pourrait rien jouer. Et nous voilà pour la troisième étape de ce Tour des Pays de Savoie. On doit se montrer en échappée 30 km dans les 60 derniers. On va partir tout de suite parce que du coup l'étape est très courte, elle fait 87 km. Je ne suis pas sûr qu'avec 8,57 je sois une menace pour du monde. Du coup on va partir vraiment tout de suite et espérer aller le plus loin possible avec si possible du soutien. Bon, ça a l'air de rouler. Plutôt que d'essayer de s'échapper pour venir avec moi. Je vais me fatiguer pour pas grand chose, je pense. Voilà, le peloton m'a rattrapé à 5 km du sprint. On a vraiment roulé sur moi, on n'a pas voulu me laisser sortir, pourtant j'étais tout seul. Et je vais essayer de le suivre. Ça roule, hein. Ça veut vraiment pas me laisser sortir. Ça veut pas me laisser sortir. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Et là, ça laisse sortir. Alors, on va sprinter. On va aller chercher une troisième place. Bon, allez, maintenant, faut rouler. Faut relayer. Faut qu'on sorte. Non, je ne pourrais pas sortir. Donc je ne vais pas défendre mon maillot à poids. Ouais, tandis qu'on est à 1 km du sommet, ça bascule. Nous, on est lâchés. On n'a pas pu récupérer de cette tentative d'échapper. Je conserve toujours mon maillot à poids et je pense que je vais le conserver à l'issue de cette étape. Mais le but maintenant, bah, ça va être rentrer dans les délais parce que l'étape est très courte. Tandis que Jérôme Boniz a remporté l'étape devant Pichon et Gonsalves. Gonsalves qui conforte son maillot de leader. Nous sommes ici, nous, à 2 km de l'arrivée. Nous allons prendre à peu près 5 minutes de retard. Donc, c'était pas forcément attendu, mais je pensais pas que ça allait me rouler dessus alors que j'étais tout seul en échappée. Là, on va essayer de gagner quelques secondes, mais on conserve notre maillot à poids. Voilà, nous prenons donc sur Boniz 6 minutes 25 de retard. Au classement, on est loin, hein, de toute façon, 64e en sprint 7. Et la montagne, on est toujours devant. Donc c'est le but principal, comme je vous disais, c'est de gagner ce maillot de la montagne. Donc on devait terminer top 3 du classement de l'étape. C'est compliqué avec les coureurs qu'il y a. Et nous voilà donc dans ce contre-la-montre de 9 km, avec une grande descente au début, puis ça finit en montée. Nous sommes dans les favoris de ce contre-la-montre. Et notre directeur sportif veut que nous fassions un top 15. Donc... il va falloir bien gérer ça. C'est un faux plat montant, hein, finalement, vous voyez, sur la droite. Allez, 5 km. On va bientôt passer à l'intermédiaire. À mon avis, on sera un peu distancé, mais on a gardé de l'effort pour ce faux plat, pour pouvoir monter un peu plus fort. Maintenant, on est premier. On est premier. Je ne sais pas comment les autres gèrent ça. Et là, on est pas mal. 182 pulses, peut-être descendre à 175. À 175, on est pas mal là. Allez. Parce que dans un contre-la-montre, il faut surtout regarder les pulsations. Et là, on est vraiment, vraiment bien là. Je ne sais pas si je suis dans un bon rythme. On verra ça sur la fin. La fin qui est un peu mieux qu'au début. 170 pulses, il y a la fatigue qui accumule. Je sais pas si on aura de la barre jusqu'au bout. Eh mon gars, allez, à mon avis, on aura perdu du temps. 8e à 17 secondes. On a perdu du temps. On a perdu combien de temps? Ah oui, on a vraiment perdu du temps. 4, on a perdu 21 secondes. Mais bon, 8e, 17 secondes, on est pas mal. Bon bah Gonsalves qui gagne encore cette étape. Nous on peut pas faire top 15 hein, contre ces gens là. On avait voilà prologue contre la montre 74-73. Nous on avait 71 plus 5 en prologue. Et je ne sais pas si le jeu le compte en prologue ou en contre la montre. Quand contre la montre on n'était vraiment pas là. La dernière étape de ce tour des Pays de Savoie avec la double ascension d'Aiglières, donc dans les deux versants.
Le versant le plus compliqué, c'est celui-là. On a un beau plus 5. On va essayer de partir en échappée pour aller chercher ce maillot à pois définitivement. Et nous avons donc une échappée en solitaire pour le moment. J'ai un équipier qui arrive avec deux autres coureurs, je pense. On va essayer de les attendre parce qu'avec notre plus 5, ça serait intéressant d'avoir un équipier. Non, finalement, je suis tout seul, donc on va continuer notre baroud d'honneur au moins jusqu'au sprint intermédiaire déjà. Ça veut pas laisser sortir, je crois, les personnes qui sont derrière moi. Ça doit rouler fort, apparemment. Nous sommes passés en tête donc de l'intermédiaire ici. J'aimerais bien surtout que les 4 nous rattrapent, que le peloton se relève un petit peu et qu'on aille chercher ces points de la montagne. Allez, oui, il veut relayer, mais attends, tu viens d'arriver. Allez, c'est parti, on va voir où ça mène tout ça. Donc à 4 km du sommet, j'ai un équipier qui est revenu. Je lui ai demandé de me protéger afin que je puisse garder de l'énergie pour ces derniers kilomètres et passer en tête du plateau d'Aiglières, ce qui m'assurait donc ce maillot à pois pour le Tour des Alpes, ce qui est vraiment intéressant hein, pour un puncher. Donc le peloton est revenu, ça a roulé fort. Et bah du coup aucun de l'échappé passe en tête. C'était une montée très 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 compliquée hein, ce plateau d'Aiglières, vous voyez. Et donc bah voilà, je suis dans le peloton, mais tout seul, on est 48. J'ai pas vu le classement provisoire pour la montagne. Mais on est tous cuits hein, par le maillot jaune, quelques leaders là. Palique, tout ça. Nous, c'est très compliqué pour nous. Nous sommes à 2 km du sprint intermédiaire. Bon, on n'a aucune raison de le jouer. On va quand même le jouer. Ça nous fera peut-être gagner une place au classement. Mais ce qui est sûr, c'est que Mas qui est devant était Certains directeurs sportifs ne troisième au pas Grand Prix du de la jour, montagne. au vu de la montée en rythme du peloton. A priori, c'est lui qui fait une bonne opération devant parce que je crois que c'est On lui vient qui est passé d'entrer en dans le tête dernier tiers de la du course. plateau Le d'Aiglières. sort va bientôt Il y a être 4 joué. minutes d'avance sur nous. On voit qu'il est à 18 minutes au classement général, donc peut-être qu'il peut aller au bout. Nous sommes à 10 km de l'arrivée. Nous avons Mas qui se fait rattraper à l'instant au pied du Le col peloton vient de donc reprendre les d'Aiglières qu'on a échappés. descendu tout à l'heure. Et nous, bah, on va monter à un effort curseur à notre allure parce que ça va monter fort devant. Les coureurs franchissent un Et passage pourquoi pas délicat. peut-être Le rythme terminer sauvage dans ce groupe supérieur à et 10%. récupérer quelques points de la montagne. Mais je crains qu'il y ait encore 8 km et que ça soit trop dur pour nous. Il reste 3 km. Champ fringale. Devant, ils sont 7, je crois qu'ils sont 12 devant, 15. Ça se bagarre à l'avant. Donc le mieux, ça serait de rester avec mon groupe là. On va peut-être rattraper ceux-là. Mais c'est pas évident, hein. Ce plateau d'Aiglières là, on était dans la portion dure. Ça va redescendre un petit peu et puis après, ça va se raplanir. Allez. Pas sûr de pouvoir récupérer dans cette petite descente au moins un tout petit peu de barre Encore une rouge. attaque, peut-être l'échappée décisive. Voilà, 1 km. Cette victoire est amplement méritée. Je n'irai Il a pas devant eux. terminé au courage. On attend les retardataires qui n'en finissent pas d'arriver. Non. Il y a Benta qui est là. Brandao devant Gonsalves. Il y a du monde, hein. Et ben voilà, nous on va faire quand même un top 15. Non, si, non, on fera 16e. C'est pas si mal tout de même. On va perdre notre tunique à pois, il me semble, malheureusement. Alors, au classement général, ça donne de l'étape Brandao devant Gonsalves, on fait 16e. Au général, Gonsalves, solide leader, hein, qui a fait 3 victoires d'étape et il me semble. Une deuxième place avec je sais plus le résultat d'une étape. On fait 49e à 18 minutes. Au maillot vert, on est 5e. Et si on garde pour 2 points.
Mas a failli nous le prendre, mais on est maillot à poids du Tour des Pays de Savoie. C'est énorme. On est à 15 minutes de Michal Schlegel. Et en équipe, on est avant-dernière devant Vendée U. Donc voilà, on n'a pas pu partir en échappée dans les derniers kilomètres, etc. On a gagné le classement du meilleur grimpeur, classement par points 5e. On prend 28 points dans ce niveau 8. Donc pour cette vidéo, ça sera tout. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà la fiche de mon coureur. Nous sommes spécialistes en classique du Nord et puncher en second trait. Nous avons évolué un petit peu les traits principaux pour le vallon, la plaine, les pavés, ainsi que le physique qui est très important avec 71 résistance, 68 endurance. On commence à être pas mal. Il y aura peut-être la récupération à augmenter, mais en tout cas, on en est là aujourd'hui. Au niveau de l'entraînement, on est pas mal. Pour cette vidéo, ça sera terminé. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo avec les championnats de France ITT. 48 km de contre-la-montre et les championnats de France en ligne avec ce circuit très accidenté de 242 km en vallon. Il n'y aura que ces deux étapes parce que c'est un championnat national et au bout du compte, il y aura peut-être un maillot distinctif à porter pendant un an. Donc je ne fais pas d'illusions quant à mon cas pour en décrocher un. Mais qui sait, on a vu dans certaines étapes où en partant dans la dernière bosse ou au dernier tour ou quoi que ce soit, où on a pu s'imposer. Donc à voir ce qu'on va faire. Donc la prochaine vidéo, ça sera le championnat de France ITT et le championnat de France en ligne. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!